Je vous souhaite à tous une très cordiale bienvenue à l'inauguration de cette exposition consacrée à l'œuvre du grand ingénieur Pier Luigi Nervi. Les structures de Nervi sont étudiées par tous nos étudiants dans les cours de construction et c'est l'occasion maintenant de se rapprocher de son œuvre à travers ses dessins originaux et les très belles photos et maquettes que vous découvrirez tout à l'heure dans les deux expositions qui ouvrent ce soir. Je salue tout particulièrement la présence de Monsieur Marco Nervi, qui est l'un des initiateurs de ce projet, et son épouse Elisabetta. Elisabetta était notre principale interlocutrice, par ailleurs, pour l'organisation de cette exposition à Lausanne, et elle regrette de n'avoir pas pu être parmi nous ce soir. Je salue aussi Christina Chiorino, qui est responsable du contenu scientifique de l'exposition. Et je remercie très spécialement Christina pour la précieuse aide qu'elle nous a apportée tout au long de la préparation de cette exposition ici à Archizoom. C'était vraiment très apprécié et précieux. Bien sûr, je me réjouis d'accueillir et d'écouter notre invité pour la conférence inaugurale, le professeur Sergio Poretti. Cher professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Autour de ce projet sur Nervi, une conjonction très heureuse, de très heureux hasards, s'est produite, ce qui nous a permis d'enrichir encore l'exposition de toute une série d'interventions passionnantes qui se sont très bien intégrées au projet. J'ai donc une liste assez longue de remerciements indispensables à faire. Merci de votre patience. Notre volonté à Archizoom était de mettre en avant l'importance des ingénieurs concepteurs du XXe siècle et de montrer l'extraordinaire influence qu'ils ont eue sur l'évolution de l'architecture. Nervi en était un excellent prétexte. J'ai donc demandé au professeur Aurelio Mutoni, ingénieur et directeur du laboratoire Ibeton de l'EPFL, de nous aider à organiser les événements autour de l'exposition. Et son équipe de doctorants et d'étudiants en master ont conçu une réplique d'une structure de Nervi dans un nouveau béton encore en développement. La première étape de ce projet est présentée ce soir et la pièce finale sera dévoilée prochainement. Aurelio nous en dira quelques mots tout à l'heure. Je remercie Aurelio Mutoni et toute son équipe menée par Fabio Branchen pour cette importante contribution qui nous permet d'actualiser la pensée constructive de Nervi avec des réalités matérielles tout à fait contemporaines. Avec la précieuse aide d'Alberto Bologna, assistant scientifique au laboratoire de théorie et d'histoire 3, Aurelio Mutoni nous a aussi aidé à mettre sur pied le très riche programme de conférences qui aura lieu jusqu'à la fin du mois de mai. Merci donc à tous les deux et je vous invite à retenir ces importantes dates. Dans l'exposition, vous verrez des magnifiques projets d'étudiants, l'un réalisé par Jeanne Véry et Georg Christoph Holz dans le cadre du cours sur l'histoire du béton du professeur Roberto Gargiani et l'autre réalisé par tous les étudiants de l'atelier sur la restauration de l'architecture moderne de Franz Graf assisté par Yvan Delémontet. Un grand merci à ces étudiants. Leur travail rivalise sans problème avec les autres maquettes, vous le verrez, réalisées par les meilleurs professionnels. Et c'est bien entendu l'occasion de remercier encore l'indispensable équipe de notre atelier des maquettes ici à l'EPFL qui est extrêmement sollicitée. Et finalement, vous verrez sur les coursives du bâtiment SG, donc le long du mur de l'espace d'exposition, une exposition de photographie mise sur pied au pied levé d'ailleurs par Alberto Bologna encore et Joël Neuenschwander des archives de la construction moderne. Merci à tous les deux d'avoir réagi très vite et de nous montrer ce fonds d'archives encore inédit. Bien entendu, je remercie aussi l'équipe Archizoom, sans qui rien ne se serait fait, Jean-Robert Gros et Pascal Luc, et depuis peu Aurélie Buisson qui nous a rejoint et qui a fait un excellent travail de rédaction, de coordination et ces derniers jours de montage. Merci aussi aux étudiants qui ont monté l'exposition avec nous, Antoine Enfou, Franck Dalzotto, Julien Gao, Quentin Rosset, Pauline Seigneur et Lorraine Zender.
Et je suis heureux d'avoir pu compter aussi sur notre institution sœur, le GTA Ausstellung de l'ETH, dirigé par Philippe Carrard, qui nous fait le plaisir d'être aussi parmi nous ce soir. Et nous avons eu la chance de collaborer pour faire venir cette exposition dans nos deux écoles. Et finalement, un très grand merci aux entreprises qui nous aident financièrement, Geta Roman, l'imprimeur MacroArt, l'éditeur de programme Advent, et Implenia, en la personne de Yves Semin-Denis. Merci pour leur généreux soutien. Je passe maintenant la parole à Pierre Frey, directeur des ACM, qui va nous dire deux mots sur le fonds Sartori. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, l'exposition Pierluigi Nervi à travers les photographies de la collection Alberto Sartoris est venue se greffer presque par hasard à la suite d'une visite dans notre laboratoire d'Aurélie Buisson. Elle nous a permis de compléter un événement et une manifestation qui était déjà en place. Le Fonds des archives Alberto Sartoris, considéré à juste titre comme un bien culturel d'importance internationale, a été acheté par la Confédération dans les années 1980 à l'incitation de quelques professeurs de notre école et grâce à l'engagement énergique du président d'alors, le professeur Maurice Cosandet. Après le décès d'Alberto Sartoris, puis celui de Carla Prina, son épouse, un certain nombre de clarifications se sont opérées et beaucoup de travail a été accompli avant que la présidence de l'EPFL ne prenne la décision d'intégrer les archives Sartoris comme un fonds aux archives de la construction moderne. À ce titre, ces archives sont accessibles gratuitement, intégralement à tous les chercheurs qui en font la demande. Je veux rendre hommage ici aux personnes dont les efforts rendent et ont rendu cet accès possible, Antoine Baudin, Joël Neunsch van der Fehl, Daniel Chavant. Ils garantissent la mission du service public et empêchent que ces ressources ne deviennent, comme c'est trop souvent le cas, la chasse gardée de tel ou tel groupe particulier, fût-il scientifique. L'intérêt enthousiaste d'Alberto Bologna et des professeurs Roberto Gargiani et Aurelio Muttoni pour les documents photographiques originaux relatifs aux œuvres de Pierluigi Nervi et leur disponibilité à improviser in extremis un complément à une exposition complète en elle-même constituent la plus belle reconnaissance du travail des conservateurs de collection des archives de la construction moderne. Nous remercions chaleureusement nos collègues. C'est un vrai encouragement et au fond un simple et vrai bonheur d'avoir le sentiment de servir à quelque chose. Pour connaître un peu les ressources des fonds que nous avons accumulés en 25 ans, je pense que de telles opportunités peuvent se répéter. Le domaine de l'histoire du génie civil, dont il est question aujourd'hui au sein de la faculté ENAC et dont il va être question dans les semaines qui viennent, est richement documenté par plusieurs archives. Je voudrais mentionner en particulier le fonds Adolphe Buller en raison de son étendue chronologique et de sa très grande diversité thématique. Ceci est donc une invitation publique à toutes celles et ceux qui pourraient avoir l'envie de venir fouiller ces collections. Ces fonds sont très bien catalogués et très accessibles. L'exposition de Nervi offre aux ACM une nouvelle opportunité d'enrichir une manifestation mise sur pied par Archizoom, la précédente ayant été l'exposition consacrée au photographe Julius Schulman. Elle nous avait permis de profiter d'une spécificité du droit suisse qui offre un abri contre le vent dominant du libéralisme extrême dans le domaine des droits d'auteur. En effet, une jurisprudence du tribunal fédéral autorise les musées suisses à publier leurs propres œuvres qu'ils exposent sans considération ni obstacle de droit d'auteur, en toute indépendance et en toute liberté. Nous en faisons usage chaque fois que nous pouvons. En conclusion, je voudrais particulièrement remercier Cyril Veillon pour sa curiosité, son aimable disponibilité. Je vous souhaite une bonne soirée. Je passe la parole à mon collègue Aurelio Muttoni. Wow.
Voilà, mesdames, messieurs, chers étudiants, bonsoir. Je me suis permis de changer un petit peu le titre de l'exposition. J'utilise cette définition d'ingénieur concepteur qui, en réalité, est une tautologie, dans le sens que l'ingénieur devrait être, par définition, un concepteur. C'est ça, c'est même ça, il y a même ça dans l'origine du nom ingénieur. Mais c'est vrai aussi qu'à partir de la fin du 19e siècle, les ingénieurs ont commencé à se dédier de plus en plus au calcul et de moins en moins à la conception. Et ça, bien sûr, c'est très dommage pour l'ingénierie. Vers les années 30 du 20e siècle, il y a eu certains ingénieurs, parmi lesquels Pierluigi Nervi, qui ont commencé à dire, à écrire avec beaucoup de conviction que cette évolution était mauvaise pour l'ingénierie, que l'ingénieur aurait dû retourner à s'occuper, comme il l'était à l'origine, de la conception des structures. Et c'est donc aussi pour cette raison que je suis très heureux d'avoir ici à la PFL la possibilité d'avoir cette belle exposition sur Pierluigi Nervi, puisque, j'espère, ça va contribuer à faire passer ce message vers nos étudiants, dans le sens qu'ils se rendent compte de la tradition de l'ingénierie et du fait qu'effectivement, la conception des structures devrait rester une partie importante de l'activité de l'ingénieur. Nervi, c'était aussi un ingénieur qui était capable de collaborer avec les architectes. D'ailleurs, il est très connu parmi les architectes, peut-être même plus que parmi les ingénieurs. Et ceci montre déjà un petit problème dans la vision des ingénieurs et de la connaissance des ingénieurs pour notre histoire, pour l'histoire de notre profession. C'est donc aussi très important pour notre faculté, donc, qui s'appelle environnement naturel, architectural et construit, donc dans laquelle les ingénieurs et les architectes devraient apprendre à collaborer. C'est donc aussi la présence de cette exposition est donc aussi très importante pour la faculté et pour faire passer ce message. Donc c'est pour cette raison aussi que notre faculté a soutenu dès le début à l'arrivée de cette belle exposition ici à l'EPFL. Nous avons pensé que c'était aussi une bonne occasion pour rattraper ce manque de connaissances parmi les ingénieurs de leur histoire et de présenter aussi à tous les autres spécialistes de la construction qu'il y a eu dans le passé vraiment des ingénieurs remarquables. Et c'est pour cette raison aussi que Roberto Gargiani a eu d'abord l'idée de compléter l'exposition par ce cycle de conférences qui représente un joli complément à cette exposition. Donc, nous aurons la semaine prochaine deux spécialistes de l'œuvre de Nervi qui vont nous expliquer en détail les enjeux et les qualités de ce grand ingénieur. Nous aurons ensuite d'autres spécialistes qui vont nous présenter d'autres auteurs de l'ingénierie du XXe siècle. Je pense que ceci est très important puisque ça met Pierluigi Nervi dans un certain contexte. On va commencer d'abord par Pepa Casinello qui va nous parler de Félix Candela et Eduardo Torroja, donc deux ingénieurs espagnols, le premier qui a surtout travaillé au Mexique, qui ont été vraiment très importants dans la conception des structures dans les années 50, 60 et 70. Et ensuite, nous aurons Marzia Marandolo qui va nous parler de Riccardo Morandi, un ingénieur italien vraiment remarquable, malheureusement pas assez connu, au moins ici en Suisse. La semaine suivante, donc le 8 mai, Mario Chiorino de l'Université de Torino va nous parler de Elado Dieste, ce magnifique ingénieur uruguayen qui a fait vraiment
qui a conçu vraiment des structures incroyables en maçonnerie, des structures spectaculaires, vraiment spectaculaires en maçonnerie. Et pour ce qui me concerne, je vais dire quelques mots sur Robert Maillard et présenter un petit peu aussi les analogies, en réalité, qu'il y avait entre Robert Maillard, cet ingénieur suisse très important dans l'histoire de l'ingénierie, et Pierluigi Nervi. Pour terminer, nous aurons un séminaire international le 22 mai dédié à la restauration, donc à l'entretien des grandes œuvres de l'ingénierie. C'est un thème très important. C'est un séminaire organisé par le laboratoire de notre collègue, du professeur Franz Graf. Nous avons aussi pensé que c'était une bonne occasion pour montrer aux étudiants l'actualité de Nervi, c'est-à-dire est-ce que c'est seulement du passé ou est-ce qu'on peut réinterpréter ces structures. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé d'organiser des travaux avec les étudiants du master, avec des doctorants, avec le but de voir s'il y avait la possibilité de retravailler un ouvrage de Nervi avec les connaissances actuelles. Nous avons commencé avec, nous avons travaillé sur le bâtiment, donc sur cette belle, ce joli bâtiment au Vatican, l'Aula Nervi, et qui avait déjà été conçu, réalisé par Nervi en utilisant de façon systématique la préfabrication. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui? Et on a vite vu qu'avec les technologies d'aujourd'hui, on pourrait de nouveau construire des structures de ce type et peut-être encore mieux. Nous avons par exemple des outils qui nous permettent de produire des coffrages de façon beaucoup plus efficace qu'il y a 40 ans avec les machines à commande numérique. Donc nos étudiants ont commencé à travailler là-dessus, ils ont commencé à produire, par exemple, les coffrages pour réaliser les éléments de cette Aula Nervi. D'ailleurs, donc c'est un travail d'étudiant, mais grâce à ces nouvelles technologies, c'est devenu de nouveau faisable de construire des coffrages vraiment très compliqués, avec des connaissances manuelles très rudimentaires en réalité. Il y a beaucoup plus d'informatique que de la manualité là-dedans. Et ensuite, nous avons regardé qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les nouveaux matériaux et de quelle façon on pourrait optimiser ces structures. Donc, Nervi utilisait des bétons relativement ordinaires, avec des armatures relativement ordinaires. Nous disposons aujourd'hui de matériaux qui sont complètement différents, avec des mortiers à très haute résistance, très performants. Et nous disposons aujourd'hui aussi des armatures en fibre de carbone. Ça nous permet donc d'aujourd'hui de produire des éléments très minces, très légers, mais qui sont aussi en même temps extrêmement durables, puisqu'il n'y a pas de corrosion. Donc nous sommes en train de développer ces systèmes. Pour, dans le cadre de cette exposition, nous avons maintenant trois étudiants de master qui sont en train de faire leur travail de master, de diplôme là-dessus. Et nous pensons donc que c'est le point de départ, même pour développer des nouveaux systèmes qui va peut-être nous donner des directions intéressantes pour développer une nouvelle recherche qui nous permettra, j'espère, dans le futur, de pouvoir produire de façon efficace des structures belles et performantes comme celle de Pierluigi Nervi. Voilà, juste encore un remerciement à Holcim et SP Reinforcement qui ont permis la réalisation de ces maquettes qui sont en train d'être produites et j'espère qu'elles seront terminées avant la fin de notre exposition. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Merci. J'invite maintenant Christina Chiorino et M. Nervi à venir présenter l'exposition.
Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je vais essayer de parler en français, j'espère que je ne dirai pas trop de bêtises. En plus, je viens d'arriver en voiture de Bruxelles, je suis complètement crevé. J'ai besoin d'essayer de décanter un peu parce que vraiment, il y avait des embouteillages. J'ai cru à un certain moment que je n'aurais pas eu la possibilité de venir, mais heureusement, je suis là. Alors, moi, ils m'ont dit 5 minutes, je vais essayer de rester dans les temps, mais je crois que... mais j'essaierai quand même. Moi aussi, je voudrais faire quelques remerciements. Déjà, pour commencer, toutes les EPFL, enfin l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Nous savons tous comment c'est difficile aujourd'hui de mobiliser de l'argent et des ressources pour des initiatives culturelles. Et donc, un grand merci pour avoir vraiment fait le nécessaire et mis en place toutes les ressources nécessaires pour avoir l'exposition ici. Un grand merci, vraiment. Deuxième remerciement, le partenaire. Donc, comme a été dit au début, en fait, cette exposition, c'est le résultat d'un grand projet de recherche et d'exposition, évidemment, qui a été mené par l'association Pierluigi Nervi Project, qui a été fondée et créée par moi-même, dont je suis le président. Donc, on est ici, on fête ici la 8e exposition. Mais tout ça, ça a été possible effectivement grâce à nos partenaires scientifiques, donc le CIVA de Bruxelles, le MAXI de Rome et le XAC de Parme, qui sont les institutions qui gèrent et ont les archives de mon grand-père. Et donc c'est grâce à eux que vous pouvez voir les originaux ici, et donc il faut les remercier quand même. Troisième volet, les sponsors. Évidemment, sans les sponsors, aujourd'hui, on a des difficultés à faire quoi que ce soit. Donc, moi, je dois remercier infiniment le groupe Italcementi, l'ANCE, Association Nationale Constructeurs Edili, en italien. Enfin, c'est un acronyme italien, je ne sais pas exactement comment le traduire en français. Et le groupe Permastelisa, qui nous ont soutenus dès le début du projet. Alors, brièvement, je voudrais parler de l'histoire de ce projet, comment nous sommes arrivés ici, à la 8e étape de ce parcours fantastique. Alors, l'idée de ce projet a commencé à se concrétiser vers le 2007, fin 2007. Donc, ça fait déjà presque 6 ans. Quand, en fait, avec ma femme, on a voulu rendre hommage à ce personnage, à mon grand-père, parce qu'on s'est rendu compte que depuis sa mort en 1979, il n'y avait eu presque rien sur lui. Après 30 ans de sa mort, il était tombé dans l'oubli. Donc l'Italien le plus connu au monde dans les années 60 et 70, l'Italien qui est même dans, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le passeport italien, il y a, dans les filigranes, il y a des bâtiments de Pierluigi Nervi, tombé complètement dans l'oubli. Et donc l'objectif a été de le remettre dans sa place, qu'il mérite dans l'histoire du XXe siècle, mais surtout de garder cet héritage culturel qui, comme on a pu voir, parle encore aujourd'hui et pose encore beaucoup de questions et de problèmes à la communauté scientifique et aux étudiants. Donc, le projet a été abordé et s'est concrétisé grâce à l'aide scientifique du professeur Carlo Olmo du Polytechnique du Torin et aussi avec Alessandro Colombo et Paolo Garbuglio, les architectes qui ont conçu la mise en scène. Et il faut dire que c'était une idée fantastique de le départ, d'avoir une exposition itinérante qui, à chaque étape, à partir d'un noyau de 12 projets, à chaque étape, développait soit un thème, soit deux projets en plus,
qui donnait une localisation et un contenu local à l'exposition. Et ça a permis effectivement de développer des recherches, des conférences supplémentaires et qui ont fait si qu'aujourd'hui, donc, on a réussi le pari initial. Et donc, Pierluigi Nervi est de nouveau au centre de la discussion scientifique. Il faut dire aussi que le projet était très ambitieux du départ, parce qu'il faut aussi reconnaître que Pierluigi Nervi, c'est quelqu'un de très complexe à étudier, parce qu'il était à la fois architecte, ingénieur, entrepreneur, homme de culture, intellectuel, écrivain, professeur à l'université, consultant, inventeur, parce qu'il avait inventé une quarantaine de brevets. Donc, pour l'étudier, il fallait vraiment l'aborder dans sa totalité. Il fallait mettre en place un comité scientifique de très haut niveau, pas seulement vu le personnage et ses bâtiments, mais aussi parce qu'il fallait avoir des experts en structure, d'autres en entreprise, en histoire d'entreprise, d'autres dans l'histoire de l'architecture, et ensuite, pour vraiment l'aborder d'une façon complète. Et je crois que nous avons réussi à faire ça. Et parce que, encore une fois, les différentes facettes de cet personnage, ils s'influencent. Et l'étudier d'une façon limitée risque de ne pas comprendre, je pense, sa grandeur. Je voulais simplement citer un exemple sur l'aula de l'audience qui a été citée tout à l'heure. Ben, là, ça a été un défi plutôt intellectuel, vu l'importance symbolique du lieu et le lieu même où ce bâtiment aurait dû être construit, à côté de la basilique de Saint-Pierre et du colonnat de Bernini. Je comprends mon grand-père quand il a eu Paul VI qui lui a demandé de construire ça. Il a commencé à s'évanouir parce que c'était vraiment un défi, je dirais, technique sûrement, mais vraiment intellectuel, vu l'importance symbolique du lieu. Je voudrais aussi citer le fait que, en tant qu'intellectuel, peut-être pas tout le monde sait qu'en 1962, il a reçu de la part de l'Université d'Harvard la demande pour les Norton Lectures, pour donner des Norton Lectures à l'Université d'Harvard. Et c'est quelque chose, c'est un privilège énorme, surtout parce que c'était quelque chose qui normalement a été donné à des prix Nobel de la littérature, donc à des hommes de culture, des intellectuels. Et donc imaginez un ingénieur entre guillemets connu pour être un grand technicien, avoir cette stature, cette envergure d'homme culturel à l'époque, en 1960, où il n'y avait pas cette couverture médiatique qu'on a aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose de remarquable et qu'il fait réfléchir. Deux mots, vraiment, sur la mise en scène qui a été, comme je disais, conçue par Alessandro Colombo et Paolo Garbuglio, qui a montré d'être vraiment être conçue d'une façon géniale, parce qu'elle est capable de s'adapter à toutes les dimensions, tous les espaces que nous avons à disposition. Donc, jusqu'à aujourd'hui, l'exposition a été montée donc au SIVA, un musée entre guillemets classique, dans un palais vénitien à Venise, sur le Canal Grande, un palais du XVIIIe siècle, dans une église à Salerno, dans un bâtiment de Nervi à Turin, au Maxi, dans le Maxi, dans un bâtiment ultramoderne. Enfin, et ensuite, et dans un arsenal à Copenhague, un lieu dédié à autre chose. Et chaque installation, chaque exposition, c'était un mariage parfait. Vraiment, c'était parfait. Et ici aussi, malheureusement, je suis arrivé très vite. J'ai parcouru l'exposition très, très vite. Mais là aussi, je vois un mariage, si je peux me permettre,
parfait encore et le setting s'adapte vraiment d'une façon fantastique. Mais il faut remercier aussi l'architecte Cristiano Chiorino qui nous a aidé à, évidemment l'équipe ici, à permettre ce mariage. Je termine en faisant un peu un petit bilan après ces 8 expositions et aussi disons deux petites choses sur l'association et les activités de notre association. Aujourd'hui, on peut estimer que l'exposition a été visitée par environ 220-230 000 personnes, qu'il y a eu un numéro presque impressionnant de conférences et de bouquins, des études, des recherches qui se sont faites, qui sont en train de se faire. Il y a d'autres expositions, comme on a cité tout à l'heure, qui vont suivre après, à Zurich prochainement. Il y en a d'autres aussi déjà planifiées. Donc je pense que le pari initial, on peut dire, c'était un pari difficile, mais réussi. Et aujourd'hui, on avait mis Nervi dans sa place, dans le débat. Donc c'est un sujet je trouve passionnant. Parfois, je fais une comparaison avec un tableau d'un maître flamand, parce que plus on regarde et plus on découvre de détails qu'en regardant la chose de loin, on n'avait pas vu. Et chaque jour, on découvre des choses. Enfin, il y a des nouvelles, des matériaux nouveaux qui arrivent, de fonds, de photos, de documents, mais des choses qu'on découvre sur lui, vraiment passionnant, comme le fait, comme ça c'est un peu anecdotique, qu'il ait changé de courrier et de lettres avec Willy Brandt, le chanceleur allemand, ou échangé de lettres avec Chagall, ou avec Marinetti, ou avec Umberto Nobile, parce qu'ils étaient un passionné de Zeppelin, de dirigibili. Enfin, vraiment, ses connaissances et ses intérêts étaient vraiment monstrueux. Donc, je vous invite. Donc, on a un bagage d'expérience, des connaissances en tant qu'association PLNP, on a développé et nous mettons à disposition de tout le monde. Nous sommes une association sans but lucratif, donc nous pouvons aider à mettre en place des synergies, même à sponsoriser des recherches si nécessaire. Donc, nous avons une expérience au niveau organisationnel, je pense, aussi importante. Donc, profitez de nous. Il y a encore une mémoire historique à laquelle nous pouvons avoir accès. J'ai eu officiellement le mandat de tous les composants de ma famille pour la représenter dans nos aventures. Donc, voilà. Je termine avec ça. Et je me permets de présenter Madame Chiorino, qui va dire quelques mots sur l'exposition ici à Lausanne. Merci. C'est juste deux mots pour vous expliquer comment l'expo est conçue. Comme Marco Nervi a dit, l'expo est le fruit d'un travail qui a vu la collaboration d'un comité scientifique qui regroupait le Polytechnique de Turin en premier, mais l'Università de Tor Vergata avec Sergio Poretti et Tullia Iori, et surtout aussi l'Université La Sapienza qui a travaillé sur tous les maquettes. Le comité scientifique a voulu concevoir un parcours qui se développe autour de 12 œuvres qui ont été retenues comme les icônes des centaines de projets abordés par Nervi et par son entreprise Nervi et Bartoli. Elle se développe dans un parcours chronologique qui commence avec le Théâtre Auguste à Naples, qu'on a pensé être une des premières œuvres qui donne l'idée de la première partie de la vie de Nervi, donc sa relation avec les structures en béton encore classiques, et qui va se terminer avec la dernière œuvre qui est l'ambassade d'Italie à Brasilia.
Les niveaux de lecture que l'exposition propose sont trois, principalement. Donc, il y a une partie qui se développe autour des dessins d'origine. Ici, vous en voyez une partie, certainement. Ils sont beaucoup, donc on a dû faire une sélection. Et puis, il y a un deuxième niveau qui est celui des photographies. Donc, c'était une campagne de photographie qui a été faite il y a 3-4 ans, donc qui reprend certains des bâtiments dans leur état actuel. Donc, c'est les photographies de l'état actuel, mais aussi des photographies de chantier qui permettent de reconstruire toutes les étapes de chantier. Et puis, finalement, le troisième niveau, qui est celui des maquettes. C'est des maquettes qui ont été conçues en stéréolithographie, donc c'est le résultat d'une impression d'une 3D. Et c'est des maquettes qui présentent toujours les bâtiments en coupe de façon à rendre plus lisible le système structurel qui en est à la base. Donc, finalement, c'est très vite juste pour vous donner une clé de lecture de comment l'exposition se développe. Et je passerai maintenant la parole à Sergio Poretti, qui est professeur à l'Université de Tor Vergata, qui est membre du comité scientifique de l'exposition, et qui dirige le projet de recherche ERC. C'est un projet de recherche européen qui s'appelle SIXI et qui est dévoué à l'histoire de l'ingénierie structurelle et qui se focalise sur l'apport italien à cette histoire. Donc, je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Good evening. Good evening, everyone. First of all, I would like to thank the organizers of this event for inviting me to give this lecture. Every opportunity to spread the knowledge of the history of engineering is precious. As I asked, I will present an overview of the Italian engineering in the 20th century. The story is articulated, and Nervi is not only actor. However, he has certainly been the most important protagonist. And for the relevance of his work, and because he had a leading role in two generations of engineers, he is a true master. So, in the 50s and the 60s, Italian engineering attracted international attention through a series of structural works of high originality. In the transition from the Reconstruction period to the economic miracle years, numerous opportunities to create large-scale works existed. The reconstruction of thousands of war-damaged bridges, the construction of the Autostrada del Sole, Italy Central Highway, the 1960 Rome Olympics Game, the centenary of the national unification, the construction of hangars and terminals at international airport, and also of Italian-style high-rise buildings in Milan and Rome. In this fervor, an actual school of structural engineering took shape. How can we explain a country in technological lag developing advanced engineering ideas? The skill of Nervi or Morandi are not sufficient to explain that paradox. The brilliant achievements of Italian-style engineering seem to be the culmination of a long trial which started with reinforced concrete technology coming into use
in the early 20th century, and they went on uninterrupted during the autarkic regime and the World War II years. In this table, which guide us through the historical path, you can see the protagonists of this school. Above, there are various generations of engineer scientists, who, as we shall see, are the protagonists of the crucial stages. Below the overcrowded generations of engineer designers, three generations of engineer designers. The boom of Italian-style engineering was an exciting but short-lived phenomenon. Mitter like he had already disappeared during the global economic crisis that followed the boom years. And in other words, the golden age identity was lost forever, apart from some exceptions. The Italian school is uniquely based on the reinforced concrete. Its evolution follows step by step the adventurous development of large structures made with this material. When reinforced concrete came into use at the end of the 19th century, it was an unexpected turning point in the development of engineering and the building technique in general in Italy. In contrast to metal structure, reinforced concrete is more consistent with the craftsman-like character of Italy's building site. After initial skepticism, even the scientific field, the focus was entirely on the new material. The access of reinforced concrete in structural mechanics theory, which until then had focused exclusively on metal structures, was supported by its most outstanding figures, Camillo Guidi and Silvio Canevazzi in a first phase, Arturo Danusso and Gustavo Colonnetti, both pupils of Guidi, after. They worked in close contact with some of the most active builders in the pioneering phase of reinforced concrete technology, and in close collaboration with a prolific generation of design engineers. That was the beginning of a profitable interchange between science and technology that would be one of the cornerstones of the Italian school. In the 30s, with the advent of autarchy, the use of reinforced concrete came back into question. The limitations in the use of steel activated experiments on weakly reinforced concrete in the building world. Engineers, scientists, and designers were engaged at the forefront. In this battle, Nervi was the leader. The engineers answer to save the steel was synthesized by Colonnetti's slogan, "Let's calculate better." In this period, with the collaboration between Nervi and Danusso, the Italian line of experimentation on thin shells was born. Through the work of Torroca, Candela, Isler, this type of structure was the driving force in the great relaunch of reinforced concrete. The double curved shape resistant surface is an effective tool to bypass through geometry the weak point of concrete, the poor tensile strength. As a theorist and a designer, Danusso
came the belief that the classical theory was inappropriate to describe the static behavior of reinforced great concrete structure, because it could not take into account the hidden properties of reinforced concrete structure activates in the plastic phase. Based on that assumption, D'Annunzio paved the way to the use of empirical calculations and evaluation of structures, while Colonnetti is committed to enhancing the analytical method. The strength of the strategy of D'Annunzio was in tests on large models, which allow to directly investigate the state of the stress. In 1931, D'Annunzio founded at Milan's Polytechnique the Test Models and Constructions Laboratory, and in 1951, the ISMES Laboratory in Bergamo. In the early 30s, D'Annunzio's activity met with the work of Nervi, who shared similar views and had been working with reinforced concrete independently. Working as a builder, Nervi discovered directly on the work site the incredible potential of the material. With the construction of some airplane hangars for the Italian Air Force, the partnership between Nervi and D'Annunzio produced the tangible benefits with the celluloid model test carried out at the Milan laboratory. During the autarchic regime and the World War II, Nervi, as owner of the Nervi & Bartoli Company, dedicated himself to another pioneering work, the invention of a new construction method for reinforced concrete structures. The main issue was the high cost of the foam works needed to cast on site the complete structure. Hence, a construction method was needed that would be more suitable to the nature of the material. This led to development of the Nervi system, which was based on two clever tricks: structural prefabrication and ferrocement. Structural prefabrication consisted in making small serial elements on the construction site and then joining them by use of a concrete cast, thereby reconstituting monolithicity and structural continuity. In this way, it was possible to avoid the expensive formwork necessary in the cast-on-site common procedure. Ferrocement was an innovative composite material developed during World War II for ship construction. It consisted of layers of steel mesh grouted together with a cement and a sand mixture that was suitable to the construction of foam-resistant thin slabs. Following testing and improvement in various minor works, the system was ready for use of large spans. This was the Nervi Stew extraordinary invention. The use of a simple and inexpensive way to build large span structure. In 1947, he designed for the Turin Expo Hall B a barrel vault of over 90 meters span that could be built quickly and cheaply by joining small wave blocks only 3 centimeters in thickness, prefabricated on site manually using ferrocement. Thanks to the structural design and the construction system, the minutely corrugated or ribbed surface becomes the distinctive feature of Nervi's architecture. However, the
There is another tool on which the renaissance of a reinforced concrete structure is based. It is the pre-stressing technique. This time, the concrete pole tensile strength, which may it difficult to build a large span structures, is bypassed in a mechanical way, taking advantage of the ability of a steel concrete compound to trigger states of coaction. In the international pre-stressing experiments, Italy was at the forefront. While the spreading of a thin shell vaults owed much to D'Annunzio, the leading figure for the development of a pre-stressed reinforced concrete in Italy was another scientist, Gustavo Colonnetti, an outstanding member of the Turin School. His firm belief was the structures needed to be evaluated beyond the limit of a classical elasticity theory. So he studied carefully both the behavior of elastoplastic bodies and the states of coaction. And at the end of the 30s, he was fascinated by Eugène Freycinet's experiments. Hence, he began to spread pre-stressing in Italy and was actually very successful. Thanks to his effort, first in autarchic Italy, then during his exile in Lausanne, and finally as the president of the CNR, National Resource Center, between 1949 and 1951, the first pre-stressed reinforced concrete bridges were built. The Samoggia Bridge by Giuseppe Rinaldi, the Elsa Bridge by Riccardo Morandi, the Mucone Bridge by the young Zorzi, Silvano Zorzi. It was still the beginning of experimentation. The static scheme was the simplest possible to support the beam, and the technique was the most widespread, post-tensioned sliding cables. On the construction site, scientists and designers worked side by side. This revolutionary technology would give rise to the amazing, unparalleled, suggestive structures of Morandi. The same magic will power the stylistic renewal, more sober but no less sophisticated, which Zorzi will lead on the simplest structural schemes. With the nervy thin shell vaults and the first pre-stressed concrete bridges, post-war reconstruction was in full swing. Italian engineering was extraordinarily busy at the time and could finally apply to real large-scale infrastructure project, the outcomes of experimental lines developed at length in previous years. In the reconstruction of thousands of wall-damaged bridges, the ordinary reinforced concrete arch that dominated in the interwar period continued to play a major role. Albeit well established, the arch bridge model aroused the interest not only of designers, but also of the scientific community. As a result, one of the Maillard's bridges was resumed, namely the one with a thin shell vault and a stiffening deck, which works more or less like an overturned suspension bridge. But in the mid-50s, in addition to reconstruction work, a large new construction program, including new buildings and infrastructures,
was developed. We were right in the middle of the economic miracle. Within a few years, Italy, from the state of chronic backwardness, entered directly into the small group of developed countries. An acrobatic leap that has recently led economic historians to define Italy as a successful latecomer on the way to modernization. It's the phase in which the Italian School of Engineering was consolidated in the field, not only through the works by the most popular leading figures, but also with the help of two generations of theorists and designers who worked in close cooperation with each other. The construction of the Autostrada del Sole, the first segment of an extensive highway system that would improve private transportation, had on structural engineering the same extraordinary leverage effect as the Ina Casa plan had on architecture. That confirmed also supremacy of reinforced concrete. Out of almost 400 bridges, only two were made of steel. The building of the Sun Highway proceeded at a rapid pace. On May 1956, the ground was broken, and less than 8 years later, in October 1964, the highway was opened. The decisive factor for such early achievement was the breaking up of the project into small sub-projects, each dealing with the construction of stretches of a few kilometers. Standardization was no longer an advantage. In the various tender competitions, the bridges were redesigned one by one. In the end, the National Unity Road Bridges and Viaducts created an anthology of the different characteristics of the Italian school. Pre-stressed bridges were used in the crossing of the most important rivers, Po, Arno, and Tiber. Their mostly isostatic structures were designed by technology specialists, including Zorzi, Morandi, Cestelli Guidi, Levi, with the support of the Study Center of State of Elastic Cohesion. At the same time, the long span arch bridge type prevailed in the Apennines. Along a stretch of a few kilometers, some of the most beautiful bridges of the Italian 20th century were built. The Aio Viaduct by Oberti, the Poggettone and the Pecora Vecchia by Carré and Giannelli, the Merizzano and the Cambellato Bridges by Krall, and the Sambro Bridge by Morandi. But the epic character of the construction of the highway is due to the contrast between the imposingness of the works and the handcrafted nature of the small Italian building site. From such disproportion comes to the spectacularity of the site scene, sometimes described as a wonderful frame of a tubular steel arranged in a fan, or as a daring oscillating cables cranes. This fragment of a beautiful contemporary documentary shows us the massiveness and the craftsmanship of the construction site of Autosole. It's a stage of the construction of two twin arches of the viaduct of the Aglio,
river over 160 meters span. The first ark was built with a huge scaffolding composed by Innocenti tubes. Dai via, la parola è ora agli altri. The scaffold is made to slide on special rails, and in a few hours the workers performed the work which would have required several months. In the construction of Autosole collective work, an exceptional engineer was missing, Pierluigi Nervi. However, his works were entering every house through the television broadcast of the 1960 Olympics Games in Rome and the celebration of the centenary of the unification of Italy in Turin. In Rome, with his Nervi Bartoli family business, he designed and built four real masterpieces in a few months. The Palazzetto dello Sport in the Flaminio area has a 6-meter wide dome. The Palazzo dello Sport in the Euro area is covered by a dome of 100 meters. The Flaminio Stadium shows its slender undulated cantilever roof. The Corso Francia Viaduct is supported by pillars with variable sections. Overall, architectural forms were relatively conventional, with symmetric curves prevailing. Their distinctive feature was the minute shaping of the enforced concrete structures, pleated, corrugated, and the wavy domes and the walls, changing in shape pillars. This is the signature feature of Nervi's architecture. That was, of course, the result of Nervi's legendary structural intuition, but also of the potentiality of a Nervi system, for which the Rome Olympics works were the ultimate testing ground. Despite their size, the finely modeled and ribbed domes were built manually in an extremely cheap manner. Riccardo Morandi did not play a key role in the construction of large-scale works during the boom years. At the same time, however, he was on his way to a very unique architectural style. Since his first works in the 30s, Morandi had a tendency to redesign the most conventional reinforced concrete structures, arch, beam, frame, to give them more lightness and essentiality. He decomposed the structural vertical septa and the carved slabs into subsets of linear elements. From the continuity of a mainly hypostatic surfaces, he switched to isostatic linear systems of pieces articulated by exposed hinges. Applied to the conventional arch bridge,
That strategy produced the lightest structures of the Lucia Foot Bridge, the Storms River Bridge, and the strikingly slender Fiumarella Bridge, with a span of 230 meters. Meanwhile, in an experimentation that had started in the war period, the lightness strategy was paired by pre-stressing. The muscle use of that ingenious technique produced the even more sophisticated and lighter versions of some basic structural designs, renewing the Gerbergim, the hinged portal, the balanced beam. However, Morandi's true invention was the balanced cable stayed bridge. The construction of the world's longest bridge, 9 kilometers, spanning Maracaibo Lagoon, soon brought to him international fame, paralleled only by Nervi. Besides the usual decomposition into linear elements of the pier and the deck, he adds a trestle cables system, rendering the overall structure thinner and more impressive. The cable stayed bridge had already a consolidated tradition in metal construction. The originality of Morandi's version was in the use of a pre-stressed reinforced concrete technology. The contrast between the lightness of the tensile structure and the substantially masonerist nature of the elements featured the figurative force of Morandi's language. Morandi was fully aware of that, and in his next works in Italy, the Polcevera Viaduct in Genoa, the Bridge on Tiber in the Magliana area in Rome, the hangars at the Fiumicino International Airport, he extended the use of concrete in coaction also to stay cables. In the 60s, the popularity of Italian engineering spread throughout the world. Nervi's domes standing out in the background to the Rome Olympics and the Morandi's cable stayed bridges were seen as a most monumental example of the Made in Italy style. At the 20th Century Engineering Exhibition at New York Museum of Modern Art in 1964, the very restricted selection of world icons included a high number of Italian works. However, while it was in full bore, the golden age of Italian engineering suddenly came to a halt. This is the consequence of the abrupt change in the economic situation, which drags the country from unprecedented economic growth into a deep crisis and the political instability, which would lead to the energy crisis and the austerity measures in the 70s. However, the almost complete disappearance of the signature works in the post-economic miracle decades was also related to the more general and profound transformation of the structural engineering sector. The advent of information technology, improved calculation instruments, advanced specialization, which all contributed to the extinction of the traditional large-scale work designer. Since then, a large-scale work would not be the individual product of a single figure. It would be the perfect and sophisticated, but completely depersonalized result of any international multi-specialist team. To embellish the decline of Italian engineering, the Golden Age left many traces in some
posthumous memorable masterpieces. Zorzi engaged in a desperate attempt to sublimate the anonymity of a prefabricated bridge through accurate design. His desperate and lonely work produced, among others, one of the most beautiful 20th century Italian bridges. The almost unknown Pinzano Bridge over the Tagliamento. Musmeci, who had been trying for years to grasp scientifically the minimal form, ended up with constructing the Basento Bridge, a new plastic form in which the massive concrete surface is the mirror image of the tensile membranes. Nervi, through Arc Star Anti Litteram, in work such as the UNESCO Headquarters in Paris, the bus station in New York, the Tower of Montreal, the Italian Embassy in Brazil, and many others, spread the Nervi style globally. At home, he received his last consecration of his expertise with the Papal All in the Vatican City. So, Pierluigi Nervi's corrugated walls, Sergio Musmeci's minimal surface of the Basento Bridge, Riccardo Morandi's homogeneous cable-stayed bridges, Silvano Zozzi's essential bridges are products coming from the same school. What is the profile of the leading character of the Italian school of structural engineering? The leading figure was a multi-specialist personality, having the knowledge and the skills to act as a scientist, builder, and designer. His origin was deeply rooted in the cradle of the 19th century positivism, in which modern engineering developed. Loyalty to the dogma of the structural honesty proves it. At the same time, the Italian engineer breathed the prevailing humanistic atmosphere of the country's culture, from which he absorbed his many main traits. The Italian engineer was a follower of a neo-idealism. He suffered from Benedetto Croce's tremendous influence, and instead of rejecting the subordination of the scientific spirit to the humanistic culture, he became paradoxically one of the most strenuous supporters. The Italian engineer was a promoter of Catholicism. Particularly, he supported the thesis of concordismo between science and religion, a key theme in Italian culture. Colonnetti, scientist, spoke about the engineer as God's aid, and hinted at a basic equivalence between the even distribution of stresses and the divine justice. D'Annunzio suggested the idea of a physical order as analogical mirror of the moral order, and outlined the suggestive similarities between mechanics and life. The Italian engineer was a supporter of futurism, historical avant-garde, trading, to say it better, a mutual attraction with engineering. While engineering fed the futurism iconography with its own content, positivism, scientism, technologies, symmetrically, it absorbed the figurative immediacy, lyricism, and the visionary test. The orthodox observance of the modern
engineering fundamentals and the immersion in the literary and the Catholic climate prevailing in Italy generated the Italian engineer identity, clearly different from the Anglo-Saxon or Central European identities. His positivism of Italian engineer, is a positivism strange, is a humanistic positivism. Instead, this is a trait which linked him to another typically Italian figure, the industrial designer. Not surprisingly, protagonist in those years in striking international success. However, the bridge and the table share one of the deepest roots of Italian style, the preservation of the artisanal nature within the technological advanced object. This is Mina. This is the hangar of Morandi in Fiumicino. The structure, fruit of Italian school engineering, serve as a background of this Italian song, expression of Italian miracle, used to advertise pasta, symbol of made in it. So, a little conclusion. Overall, after the economic miracle, Italian engineering, with its strong roots and a beautiful exception, did not manage to find its own identity within the new dynamics of international scene. The generation of Nervi, Morandi, Musmeci, Zorzi delivered to posterity a large collection of the highest quality of works, but they left no heirs. At the same time, the survival of the small construction site with highly skilled but low-cost workers was jeopardized. The disappearance of the Italian engineering school is an aspect of the more general dissolution of the authentic Italian culture into a more global phenomenon, consumerism. Pasolini named homologazione. And so it was that one of the most remarkable victims involved in Pasolini's disappearance of the Fireflies was to be Italian engineer. Thank you for your attention. Thank you very much, Professor Poretti, for your address. I think it opened up the subject and gave us a very good introduction for us to see the exhibition now. So I kindly invite you to move to the other side of the building to see the exhibition and enjoy the aperitif. And thank you very much for your presence. Thank you.